Je suis content que la presse en ligne vienne dans le parquet là pour me parler. Mais cependant, nous comprenons que envie nous gagner pour me parler dans le micro, nous, dans l'écran téléphone, nous, c'est parce que nous vivons de paroles, nous vivons de l'information, nous vivons de nouvelles, pas vrai? Exactement. Je dis que c'est pas tout le temps pour parler. Des fois, le silence. L'ituatoire, c'est vrai, mais des fois, le silence est d'or. Donc, moi, je paye un côté pour m'observer silence. Tout le monde me fait silence. Pas parler encore, parce que le silence est d'or. Et moi, je te dis, le silence est la force de la parole. Mais attention, lorsque vous laissez le silence parler, sa parole deviendra alors méchante et violente. Vive le Seigneur Jésus. Vive la foi en Christ. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Exactement. C'est pas tout le temps pour parler. Des fois, le silence l'ituatoire, c'est vrai, mais des fois, le silence est d'or. Donc, moi, je paye un côté pour m'observer silence. Tout le monde me fait silence. Pas parler encore, parce que le silence est d'or. Et moi, je te dis, le silence est la force de la parole. Mais attention, lorsque vous laissez le silence parler, sa parole deviendra alors méchante et violente. Vive le Seigneur Jésus. Vive la foi en Christ. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Commissaire,
invité à Paris au grand jour. Ça veut dire ça, frère, commissaire. Commissaire, mandez-vous pour sécurité. Commissaire, mandez-vous pour machine. Allez, va là-bas déjà, vous. Votre commissaire. Ah oui, mais c'est pas le commissaire. Monsieur, je suis content que la presse en ligne vienne au parquet à la pour me parler. Mais cependant, nous comprenons que envie nous gagne pour me parler dans le micro, nous, dans l'écran téléphone, nous, c'est parce que nous vivons de paroles, nous vivons de l'information. Nous vivons de nouvelles, pas vrai? Exactement. M'a dit que et c'est pas tout le temps pour parler. Des fois, le silence est tuatoire, c'est vrai, mais des fois, le silence est d'or. Donc, moi, je paye un côté pour m'observer le silence. Tout le temps, je me fais silence. Pas parler encore, parce que le silence est d'or. Et moi, je te dis, le silence est la force de la parole. Mais attention, lorsque vous laissez le silence parler, sa parole deviendra alors méchante et violente. Vive le Seigneur Jésus. Vive la foi en Christ. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.